Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 31 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Bar-le-Duc. Quatrième course de la Réunion 1, où 16 trotteuses âgées de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour cette magnifique course européenne à l'allocation globale de 80 000 euros, qui est le dernier quintet plus de l'année, il ne faudra pas hésiter à faire confiance aux favoris tout en élargissant ses combinaisons. Le parcours emprunté sera celui des 2850 mètres de la grande piste, et il faut préciser que les 7 moins riches auront une avance non négligeable de 25 mètres. Une folle course poursuite est donc à attendre. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 16, Million Dollar Rhyme. Ce Hong de 7 ans, fils de Reddy Cash, sera drivé par un certain Franck Nivard. En tant que plus riche de l'épreuve, s'il voyage bien, il peut rendre victorieusement la distance de 25 mètres. En deuxième choix, le numéro 14, Rebella Matters. Jean-Michel Bazir la trouve parfaite de conditions physiques le matin et compte sur l'aide de Christophe Martens, qui la connaît sur le bout des doigts, pour terminer à l'une des 3 premières places. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Epsom Derfray. Jean-Michel Baudouin l'a en parfaite condition physique également le matin, et comme il est superbement engagé au premier échelon et piloté par Eric Raffin, déféré des 4 pieds, il peut signer une troisième victoire de rang. En quatrième position viendra le numéro 11, Wild Love. Bonne finisseuse s'entendant merveilleusement bien avec Alexis Pratt, si elle dispose d'un bon parcours, elle peut terminer à la vitesse du vent. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, CD. Jean-Michel Bazir la déferre des 4 pieds et est à ses commandes, ce n'est assurément pas sans une idée derrière la tête. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 4, Goldie Mary. Mathieu Abrivard est très confiant concernant sa représentante et compte sur Johan Le Bourgeois pour la mener à l'une des 5 premières places. En avant-dernier choix, le numéro 6, Dreamer de Chenu. Avec l'aide de Louis Baudouin et déféré des 4 pieds, il peut lui aussi faire afficher une belle cote à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Fuego de Well. Adrien Lamy l'aime bien et pense que cet élève de Franck Leblanc est capable de créer une surprise aujourd'hui. En cas de non-partant, le numéro 5, Dimo de Cagne, que son entourage aime beaucoup et trouve en très belle forme, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Turf Sélection fait sauter la banque en indiquant le tiercé désordre de 132,90 €, le quartet de 149 € et le quintet plus dans le désordre, ce dernier affichant un rapport de plus de 408 € tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.